C'est pour un retour de course. Alors, ça fait deux fois que je refais la vidéo, donc je vais plus mettre sur pause. Donc voilà, donc je suis obligée de, je pense qu'il manquera des choses, mais bon, voilà, je suis en train de tout refaire du coup. Donc je vais essayer de commencer par tout ce qui est boisson. Alors comme je vous ai dit, hein, je refais la vidéo, donc je m'en excuse. J'ai repris 6 épars. On a pris pour goûter. Alors, à boire avec modération, hein, juste un verre. C'est un Beaujolais nouveau de la marque Pisse Dru. C'est sorti vendredi, le Beaujolais nouveau. Donc là, je ne mets plus sur pause, hein, parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer au rayon ménager. Donc, on a pris des Lotus. Voilà, papier toilette. Hein. De l'essuie-tout, ok. Il y a 6 rouleaux dedans. Ensuite, pour rester dans mes cochons d'Inde, j'ai pris un maxi foin de 1 kg à la betterave rouge. Voilà, excusez-moi, je suis en train de penser qu'il y avait aussi des sacs poubelles de 130 litres, aussi pour mes cochons d'Inde. Je leur ai pris des graines, il en restait encore, mais je voulais qu'elles testent celle-ci de la marque Carrefour. Parce qu'elles sont assez difficiles en ce moment pour point de vue graines. Donc voilà les graines. Ensuite, alors désolée si je me baisse, mais je ne veux plus mettre mon appareil en pause parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris 2 litières à la lavande, 2 à la lavande, 1 au citron. Voilà, vous voyez, 2 lavandes et 1 au citron. Bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ensuite, on va rester dans l'hygiène. J'ai pris des lingettes sanitaires de la marque Carrefour. Elles sont vraiment très très bien. C'était en promo à environ 7,50 €, les Super Croix Aromathérapie Essentielle. C'est la marque, la gamme Malaisie. Et les parfums, c'est fleurs d'orchidée, huile essentielle de macadamia. Vous avez 26 pods dedans. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très bien. Je sais, j'avais déjà testé des super croix, mais je ne crois pas que j'avais testé ces senteurs-ci. Ensuite, pour rester dans le linge, des décolor stops, ça c'est mes indispensables. Il y en a 35 lingettes, donc ce sont les maxi packs. Ensuite, on va passer à tout ce qui est gâteau et café. Bon, j'en ai déjà rangé un, mais bon, je pars tout ressortir. J'ai acheté 2 packs comme ceci, des Harris. Ce sont c'est un maxi pack, maxi format. Vous avez 12 brioches pépites chocolat au lait. Ce sont les doux Warp. Voilà, donc il y en a 2. Donc, j'en ai sorti qu'un, hein. Alors, si vous ne voyez pas de poisson et de viande dans cette vidéo, c'est normal. On a tout un stock au congélateur, etc. Ensuite, pour rester dans le café, j'ai pris un café royal goût noisette intensité 4 sur 10. J'en ai pris un. Et j'ai pris 2 packs. Il y en a 10 à chaque fois, hein, normalement. 10 noisettes. J'ai pris 2 packs de la marque Illy. Un décaféiné et l'autre, ce sont les classiques. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est fruits. J'ai déjà tout rangé dans ma petite caissette. Hein. J'ai pris, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, 2 pommes, 2 golden, voilà, au rayon, au détail, hein, chez Carrefour. Hein, toujours, mes courses viennent de chez Carrefour. Hein. Et des clémentines de Corse. Voilà. J'essaie de ne pas faire tout tomber. Donc j'en ai pris à peu près 10 et je mets ça dans une petite caissette en bois avec le papier craft des fruits Carrefour, tout simplement. Ensuite, on va rester
On va passer donc tout ce qui est. Bon, alors par contre, si j'ai loupé des choses, hein, je suis désolée. J'ai essayé de retrouver du mieux que je pouvais. Alors ensuite, on va passer au pain pelletier, le pain grillé pelletier gourmand. Vous avez deux sachets fraîcheur. Voilà. Ensuite, deux chicken carnés, deux boîtes individuelles. Voilà, ils disent pour, ouais, c'est pour deux personnes de la marque Carrefour. Voilà. Ensuite, deux maquereaux grillés, la marque Sopiquet. Celui-ci, c'est à la mexicaine. Et celui-ci, c'est nature. Ensuite, mes petits plaisirs, la marque Connétable, les sardines à l'huile d'olive vierge extra. Il y a trois petits packs. Voilà, individuel. Faut que j'arrête de dire voilà dans mes vidéos. Je m'en excuse. Ensuite, on va passer à Old El Paso. Alors, on a acheté des tortillas pour faire du guacamole. Un petit mélange aux épices. Donc, on a pris un petit mélange comme ceci, doux. Avec du piment doux hein, pour faire du guacamole, avec ce qu'on a acheté au détail, deux avocats. Voilà, deux avocats. Il y en avait qui étaient vendus par deux, mais ils n'étaient vraiment pas mûrs. Hein. Ça, faites bien attention, justement. Et pour aller avec, on a pris un petit pot de crème fraîche. Voilà, pour faire cette recette-ci. Ensuite, rayon, pareil, les yaourts, fromage, etc. Vous en verrez pas trop parce qu'on en a d'autres qu'on a achetés il y a quelques jours. Deux mini caprices des dieux, il y en a trois à chaque fois. Ça pour le midi, c'est très très pratique pour moi, pour que j'emporte le midi. Ensuite, quatre Activia à mûre framboise. Deux packs de deux cheesecakes au daim. Je les adore, ceux-là, c'est super bon. Bon, par contre, c'est assez calorique. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous en verrez d'ailleurs bientôt dans mes produits terminés. Ensuite, on a pris haricots vinaigrés. Ça, c'est au rayon traiteur japonais de chez Carrefour. Enfin, nous, on a un rayon japonais. C'est 1,90 € et en grammes, vous avez 255 grammes. Vous avez des petites graines de sésame, il me semble, dessus. Je vous montre. Ensuite, j'ai pris un. Comment ça s'appelle? Riz tartare. Ils appellent ça riz tartare. Il y a une espèce de petite sauce avec. C'est une salade. Ça, c'est super bon. Vous avez du riz. Alors, pas besoin de faire chauffer. Hein, ça se mange froid. Du riz, des avocats, de l'avocat, du saumon avec des petites graines de sésame, je pense. C'est vraiment super bon. Et la quantité, c'est 330 grammes. Alors, par contre, ça fait entrée plat. Hein. Mais c'est vraiment super bon, hein. Vous voyez, c'est frais. Poisson frais, avocat frais. Très, 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 très bon. Et ensuite, si je n'ai rien oublié, car ça fait deux fois que je fais la vidéo, on va passer à ce que je prends le midi pour emmener, etc. Alors, j'ai trois plats Weight Watcher. Alors, cannelloni, ricotta, épinards et légumes cuisinés. Voilà, j'en ai un. J'en ai un autre, parmentier de poisson. C'est vraiment très très bon. Les plats Weight Watcher, super bon. En plus, c'est pratique à faire réchauffer. Vous avez deux petits compartiments. Enfin, surtout pour. Non, là, il n'y a pas des petits compartiments. Là, c'est un plat unique. Il y a certains plats Weight Watcher, vous avez deux petits compartiments. Comme le couscous que je me suis amené vendredi, il y avait deux compartiments. Un pour le taboulé et un pour les légumes. Et là, c'est rigatoni aux chèvres et épinards à la crème. Ensuite, j'allais oublier ça, des rince d'oie au rayon poissonnerie. Ça, c'est 1,99 €. Vous en avez 10 dedans. Moi, j'aime bien en avoir dans mes manteaux, dans mon sac, un peu partout. Ensuite, bah normalement, on va finir. J'espère que je n'aurai rien oublié. J'ai pris trois salades mix. C'est la marque Mix, créateur de goût. Salade coffrée, salade et céréales, poulet rôti.
Origine France, avocat, sauce au vinaigre, balsamique et tomate. Vous avez des twists salés dedans et des brownies. C'est vraiment très très bon. Et vous avez une petite fourchette en bois avec. Ensuite, pareil, coffret salade de céréales, hein, toujours la même marque. Mais là, c'est thon avocat, tomate mi-séchée, vinaigrette aux herbes de Provence. Twist salé et brownie. Brownie comme dans l'autre d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. Là, c'est au poulet rôti avocat et là, c'est au thon avocat. Et le dernier, c'est taboulé rôti, origine France. Tomate mi-séchée et amandes. Alors, ça, c'est vraiment super bon aussi. Hein. C'est vraiment ce que j'adore. Sauce au vinaigre balsamique et tomate. Toujours avec les twists salés et brownie. Dans les trois, il y a les petits twists salés. Et il y a les brownies. Donc normalement, je vous ai tout montré, hein, les sacs poubelles, les fruits. Bon, bah écoutez, voilà. Bah, je ne ferai pas toujours les retours de course car je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça va faire 3 fois que je fais la vidéo. En mettant sur pause, en rangeant, c'est pas toujours évident. Mais bon, vous avez été nombreux à m'envoyer sur Instagram. Et sous mes vidéos YouTube, il me semble, vous étiez 2 ou 3 à vouloir revoir des retours de course. Ah, et j'allais oublier. On va tester ça, je vais tester ça dans un petit short. Au départ, je voulais le nouveau labello au chanvre. Il n'y était plus du tout dans mon carrefour. Il y a 2 nouveautés labello. Il y a soit au chanvre, soit je ne sais plus lequel que c'est. Et j'ai trouvé le mixin intensif que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est baume à lèvres nourrissant rouge cerise, 96% d'origine naturelle à l'huile de coco bio. Et donc, c'est légèrement teinté, nourrit intensément, sublime les lèvres. Efficacité longue durée. Donc, ça, je le testerai tout de suite après. Comme vous voyez, je n'ai rien sur les lèvres. Tout de suite après, dans un petit short que je vous mettrai à la fois sur YouTube et sur TikTok. Déroulez bien la flèche. Vous avez mon TikTok, etc. et mes réseaux sociaux et autres promotions. Eh bien écoutez, j'espère que mon petit retour de course vous aura plu. Bon, moi, ça a été un peu compliqué, il a fallu que je le refasse plusieurs fois. J'espère néanmoins que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse une fois par mois, hein, pourquoi pas, une fois par mois, ça pourrait être sympa. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt. Bye bye!